Зачем это все? Как что ты? Тоша! Тоша! Negyim harsinta. Yuwe. Uç bastır, uç. Negyim harsinta. Yuwe. Vous serez bientôt libre. On raconte que vous avez tué une centaine de Mongols à vous seul, en reprenant le château. Mes prières ont été entendues. Partez, et prudence. On dit que les Mongols s'en sont pris aux guérisseurs d'Akashima.
Reste. Чихуч, їх де болгомште. C'est fini, tout ira bien. Pourquoi ai-je tant de chance ? Faites attention à vous. C'est elle qui devrait être encore en vie. Thank you.
Legium Harsinta. Vous serez bientôt libre. Je suis encore en vie. Merci, monseigneur. Partez, et prudence. La plaie ne cicatrise pas. C'est fini, tout ira bien. Enfin libre! Allez vous mettre à l'abri. Faites attention. Par ici ! Ne bougez pas. Monseigneur, c'est le destin qui vous a mené chez nous. Cette pièce d'armure nous a été confiée par son créateur. Il avait les Mongols aux trousses. Elle a été forgée pour Khotun Khan. Mais c'est moi qui la porterai. Merci de l'avoir protégée. Je vous en prie, Monseigneur.
servir d'une épée. Les autres seront heureux de vous savoir ici. Well, let him check! Fever!
Tenten Neg... Oh!
Ah!
pas foutre ta gueule. Il doit s'agir d'une pièce de l'armure qui était destinée au Khan.
Sonotsu. Imaha. Vous serez bientôt libre. Je vous serai à jamais redevable. Faites attention à vous. Ямар нэг юм аа уу? Үнцэй, ямар тач бэлэн байгаарэ? Ахиад учруул, үхтэл болгоно. Тэд энэс бутар чадахгүй. Bougez pas.
J'avais perdu tout espoir de survivre. Allez-y, et faites attention. Ils n'ont pas écouté. Ils nous croyaient en sécurité. Vous serez bientôt libre. C'est le plus beau jour de ma vie, Monseigneur. Tout va bien. C'est tout engourdi. Je me sens bien. Merci de nous avoir sauvés, Monseigneur. On nous a confié cette pièce d'armure avec la mission de la protéger. Mais je pense qu'elle sera plus en sécurité avec vous. En effet. Elle était destinée à Khotun Khan. Oh, je n'en savais rien. Grâce à vous, nul Mongol ne la portera. J'ai toutes les pièces de l'armure mongole.
Je devrais retrouver l'apprenti. Je suis prêt à leur donner tout ce que j'ai pour qu'ils me laissent la vie sauve. Jin, de ce côté. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'en fait, le fantôme, c'est le Jito. J'espère qu'ils le nommeront Jito et quand la guerre sera finie. Shimura dirige toujours. Comment vous sentez-vous dans votre armure? À une prochaine fois. Je suis fière d'aider un vrai guerrier. C'est déroutant, mais les samouraïs sont compliqués et déroutants. Monseigneur, avez-vous trouvé l'armure? L'ennemi ne portera jamais la création de votre maître. Et les Mongols ont payé pour sa mort. Je suis soulagé d'apprendre que ces meurtriers ne nuiront plus jamais. J'aurais simplement aimé apprendre davantage à ses côtés, une dernière fois. À vous de prendre la relève. Vous avez raison. Je vais prendre un apprenti. Je perpétuerai le savoir-faire de mon maître. Un instant. Je vais vous l'ajuster. Que penserait mon oncle s'il me voyait dans cette armure? Jin, de ce côté. Monseigneur. J'ai entendu dire que certains se lançaient à l'assaut du mont Jogaku afin d'obtenir le pouvoir qu'utilisent les Mongols pour enflammer leur lame. Une lame enflammée? Ce serait particulièrement utile dans cette contrée glacée. Pourquoi pense-t-il percer ce secret au sommet du mont Jogaku? À cause de la chanson du musicien. Elle doit être vraiment convaincante si des gens sont prêts à risquer leur vie. J'irai peut-être écouter cette chanson. Le musicien se trouve peut-être encore au pied de la montagne, mais je doute qu'il y reste très longtemps. Mon armure émoussera les armes, mon gars.
Qu'était-il arrivé ? Monseigneur, je peux vous aider à améliorer vos lames. Avez-vous besoin d'un carquois ou d'une besace ? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Désolé, ce n'est pas suffisant. Je vous laisse. Je ferai une offrande pour vous porter chance. Jean. De ce côté. Quatre guerriers se dressaient contre les vivants et les morts. Des esprits liés à ce monde. Allume-toi. Le feu ne prend pas ? Non, monseigneur. Le bois est trop humide. Et j'ai les mains bien trop froides. Je vais essayer. Oh. Je n'ai jamais eu aussi froid. Vous devriez aller dans une région plus clémente. Tout comme vous, monseigneur. Mais en attendant, partageons ce feu et écoutez l'histoire de cette montagne. Il y a fort longtemps, le feu tomba du ciel et s'abattit au sommet du mont Jogaku. Un guerrier solitaire entreprit la dangereuse ascension et découvrit un énorme rocher embrasé. De son épée, il toucha les flammes qui engloutirent l'acier sans le blesser, lui. Il créa alors une nouvelle technique de combat qu'il appela la voie du feu. Le guerrier emporta avec lui les morceaux du rocher à l'ouest jusqu'en Chine. Là, il entreprit de découvrir son origine auprès des moines érudits et des savants. Après des mois de voyage et de recherche, le feu tomba à nouveau du ciel. Il demanda aux gens de l'accompagner et leur montra qu'ils n'avaient rien à craindre, car ils croyaient que la voie du feu était un cadeau du ciel, et ils partageaient ses secrets avec quiconque désirait l'apprendre. Transmise de génération en génération, la voie du feu est de retour à Tsushima. Les Mongols l'utilisent contre notre peuple. Mais la rumeur veut que le feu brûle encore en haut du mont Jogaku, attendant le prochain qui survivra à l'ascension. Vous souhaitez donc savoir si l'histoire est vraie? Allez-vous grimper? Non, pas moi, monseigneur. J'ai raconté cette histoire à un renin tout récemment. Et il est parti tenter sa chance, mais j'ai bien peur que le froid ne l'emporte. Je trouverai le secret caché dans la montagne.
si froid. Je dois me réchauffer. Un feu, vite. Chaleur, vite. Je ne tiendrai plus longtemps. Vite. Refroidis. J'ai besoin de chaleur, vite. Je me refroidis. J'ai besoin de chaleur, vite. Je ne tiendrai plus longtemps.
refroidit. Je dois me réchauffer. Je ne tiendrai plus longtemps. Seigneur, venez vous reposer près du feu. Merci. Comment vous sentez-vous ? Ma fierté s'ouvre plus que mon corps. Cette montagne est impitoyable. Qu'espériez-vous trouver à son sommet ? Des réponses. Le pouvoir. Quelque chose. Une épée enflammée n'aurait pas été de refus dans un endroit pareil. Comme vous dites. Vous viendrez à bout de la montagne. Bonne chance, monseigneur. Je dois me réchauffer. Un feu, vite. Ce feu de camp est ma seule chance. Allez, dépêche-toi. Voilà qui est mieux. Quelqu'un a
construit un dojo ici. Bienvenue, monseigneur. Appelez-moi Betomaru. Jin Sakai. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je me demandais si quelqu'un viendrait jusqu'ici. Vous cherchez la voie du feu. Les envahisseurs de l'Ouest, armés d'épées enflammées, menacent Tsushima. Ils ont rapporté le présent que leur avait offert mon ancêtre. Enseignez-moi, Betomaru. Un samouraï montrera aux Mongols le véritable pouvoir de votre voix. Ramassez une pierre, et nous nous affronterons en duel. Alors seulement, vous pourrez apprendre la voie du feu. Je dois maintenant affronter Betomaru et apprendre sa technique. La voix du feu est intransigeante. À présent, frappez votre lame contre la pierre que vous avez choisie. Encore une fois, laissez-vous guider par la voix du feu. Notre combat s'achève ici, monseigneur. Bien. La voie du feu ne se prête pas aux duels amicaux. Je m'en servirai contre les ennemis de Tsushima. Vous avez acquis la voie du feu. N'oubliez jamais qu'elle est un don tombé du ciel, seigneur Sakai. Désiriez-vous autre chose, seigneur Sakai? Je n'imaginais pas découvrir un tel endroit. Mes ancêtres se sont entraînés à la voie du feu ici, à l'écart de toutes les distractions du monde. Et vous, alors? J'ai pour rôle de transmettre mon savoir à tous ceux qui le méritent. D'autres viendront peut-être apprendre la voie du feu. Vous avez survécu. L'ascension s'est avérée périlleuse, mais j'ai appris la voie du feu. C'est une technique puissante mais violente, monseigneur. Prenez garde à ne pas vous brûler. La voie du feu ne consumera que les Mongols.
Qui ne meurt pas de faim. Avez-vous besoin d'un forgeron, monseigneur? Plus affûté que jamais. Je vous remercie. Les bandits qui traînent avec lui n'ont pas de famille. Je me ferai un plaisir de vous assister. Faites-en bon usage. Que votre chasse soit fructueuse.